je m'appelle Hugo et j'attends que mon papa et ma maman ils soient prêts pour départ pour l'Allemagne. Eh oui! Ah mon chéri, il est 7h20 du matin, réveillé pour la tétée à 6h30, on va dire. Et puis, bah, du coup, v'là ma tronche. Salut! Donc, ouais, il est 7h20 du matin. Enfin, je sors de la douche. Balou y est encore. Et nous allons pas tarder à nous préparer pour quitter la maison, je crois. Si je ne m'abuse. Pas plus tard que 8h, ce serait bien. Voilà. Donc, en gros, on va aller en Allemagne chercher des couches pour bébé. Et puis, du gel douche. Enfin, tout ce qui nous plaira dans les magasins DM. Voilà, donc on va certainement aussi manger midi en Allemagne puisqu'on l'a jamais fait, donc ça pourrait être sympa. Donc ben voilà, pour notre vlog, je vous embrasse bien fort, à tout à l'heure, bisous. Coucou papa. Coucou. On va où? En live. Hein? Comment? En voiture. Ça va? Ça va. Tes lentilles, ça se passe bien? Ça passe, ça passe. C'est pas trop sec? Non. Bon ben nous voilà partis sur la route de l'Allemagne avec un bébé d'amour qui fait dodo déjà. Un papa qui a l'air d'être concentré sur la route. Avec, bon, bah, vous verrez pas, mais un superbe soleil. Il m'a fait son lover il y a 2 secondes. Genre, ouais, c'est trop beau avec la gelée et le soleil, waouh! On est déjà tombé sur le vieux de base qui va au bistrot à 8h ce matin, qui roule à 50 et qu'on peut pas dépasser. Et voilà quoi. Donc nous voilà partis. Et puis on est en forme quoi, il est 8h07 du matin. Il fait moins 3. Il fait moins 3. Nous partons vers l'est. Et donc on va faire des bisous, à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Alors nous voici l'expédition rudement menée. Petit loup, on a fait une pause quand même. Il nous a fallu 2h30 pour venir. Petit loup a plus de chaussettes. Il tire dessus. Papa, on a bien rigolé quand même entre les Jojo Tuning. Et... On a même vu une dame dans la voiture. Elle avait encore les rouleaux pour faire les bouclettes avec le sac pour. Enfin, le bonnet de bain sur le nez. C'était trop rigolo. Et donc voilà, bah là on va sortir la poussette. On va se préparer parce que le magasin est là. DM. Voilà, donc il y en a deux à Pearl, hein. Là on est à Pearl. Et il y en a deux. J'ai aussi un caca au fait. Donc voilà. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite. Bisous. Coucou bébé. Hein? T'emmènes maman en cours. Oh mon bébé. Donc là, on est devant L'Oréal. Là, il y a Maybelline. Attends, ici, Astor, tout ça quoi. Il y a Azerbe, c'est la marque bio de chez. Voilà, il y a P2 et France au bout là-bas. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut quoi. C'est blindé de monde. Attends, des samedis, j'ai envie de te dire. Et voilà. Donc il y a vraiment de quoi à faire. On peut choisir vraiment énormément de choses. Donc nous, on va faire notre petit shopping. Ciao! Bisous! Voilà. Le tarmac du magasin. Trop drôle. Et toi, tu rigoles? Toi, ça te fait rire. Avec des paquets de couches. Et voilà. Donc nous voici devant le deuxième DM. Ici, voilà, et je viens de me garer parce qu'il est pas loin en fait du premier. Donc, en fait, vu que Hugo était en train de dormir, voici l'arrivée du peloton. Et oui, Balou il a fait du sport, il y allait à pied. J'ai fait deux fois le tour, hein. Deux fois le tour du parking pour trouver une place. Donc, finalement, ouais, c'est pas mal de venir à pied. Et le loulou, il fait dodo, regardez. Et voilà. Donc, c'est parti pour deuxième round. Ah, Balou!
Et là. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le même que là-bas. Et en fait, là-bas. Vu que j'ai pas trouvé le photo finish, en fait, c'est pour ça que, en gros, on y va là, tout doucement, mais sûrement. Mais j'en ai encore eu pour trouver 200 et des brouettes. 233 boules. Eh ouais, parce que quand on est youtubeuse, eh ben, on dépense beaucoup. Mais bon, quand on est, on compte pas, comme on dit. Je te suis, hein. Donc, voilà, voilà. Alors, ici, on a L'Oréal. Astor. Catrice. Et puis le reste, à essence, la Balaba. Et Maybelline. Et Manhattan. Et ici. Et là-bas, il y a P2. Donc, on là-bas. Donc voilà. Écoutez, je fais un petit tour et puis on se voit très vite pour le bilan des butins de l'Allemagne. J'ai une petite aparté pour vous dire que je vais déglinguer dans le magasin. Il y a une responsable qui est arrivée qui m'a dit on ne filme pas ici. Enfin, ils sont français approximatif. Donc je lui ai dit oh, je vais pas filmer moi. Enfin, tu vois bien quoi. J'ai juste pris moi, donc pas de problème. Heureusement, elle m'a pas fait effacer ce que j'avais pris dans le magasin. Donc, bah écoutez. Ça m'a paru pour 50 boules. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Hein. De toute façon, l'Allemagne, comme on dit toujours, c'est un budget. Budget jet douche, budget tout. Donc, budget cheveux, et c'est vraiment moins cher. Donc, bah écoutez. J'ai même trouvé la marque aussi. Je sais pas si vous en avez entendu parler quelque part ou par quelqu'un ou quoi. Et moi, j'ai vu des vidéos sur internet et donc elles en parlaient. Donc, du coup, je me suis pris deux après-shampoings. Qui sont censés réparer les cheveux longs pour les garder en pleine santé. Donc du coup, ça évite les casses, etc. Et vu que j'essaye de me les laisser pousser, je suis pas attachée et lui, il démarre, bon, bah, c'est tout. Et donc là, on va aller certainement manger quelque part en Allemagne, je ne sais pas où. Eh, tu me vois pas, ta connasse. Eh, tu parles pas bien, toi, eh. Mais non, mais c'est pas priorité. T'es sûr que la priorité à droite s'applique aussi en Allemagne? Bah attends, sinon c'est pas parce que je sais que sur un parking, c'est les règles de la sécurité routière qui prévalent. Asia. Asia Imbis, machin, je sais pas quoi. Je sais pas. Non. Donc voilà, un petit peu les nouvelles du jour. Je m'attache. Parce que sinon, j'ai pas envie de prendre le moindre risque. Excusez-moi, je sais plus comment je filme. Et donc voilà, juste pour vous dire, je me suis fait déglingue par la responsable et qu'en fait, j'ai pas effacé. Donc comme ça, vous aurez quand même les images. Et nous, on va aller se trouver un petit coin tranquille pour manger. Et puis on vous filmera ça tout à l'heure. Bon, à plus, hein, dans le bus. Hein. Tantôt dans le bateau. À tantôt dans le bateau. Coucou. Au final, on finit au McDo. Hein. Loulou vient de finir de manger. Coucou. Alors lui, il a mangé. Ça, là. Oh. Et nous, moi Big Mac, toi t'as pris quoi? Pas marqué dessus? Un Big machin et un Big bidule, c'est pas grave, juste Big machin. Bon, bon appétit alors. Et puis surtout, je ne sais pas si on fera un petit bout tout à l'heure. Bisous quand même. Ciao.